comment on peut être ici aujourd'hui au cœur de cette formidable manifestation des agriculteurs de France, dans toute leur dimension, dans toute leur diversité, au lendemain de la sépulture de Xavier Belin, sans dire un mot de lui. Et moi, comme ministre de l'Agriculture et de la Pêche, j'oublie aucun des dialogues que j'ai eus. Ces dialogues ont été des négociations sur le bilan de santé de la PAC, jamais complaisant et toujours constructif. Et puis j'oublie pas non plus, parce que je suis proche du Loiret où il habitait, les dialogues que nous avons eus, les échanges en tant que citoyen, en tant que patriote, sur l'avenir de notre pays, sur l'avenir du projet européen, sur le partenariat qui lui tenait tant à cœur avec l'Afrique. J'oublie rien de tout cela, et le jour de sa sépulture dans la cathédrale d'Orléans, il y a eu un témoignage très émouvant disant pour rester fidèle, le meilleur moyen c'est de continuer le sillon qu'il a tracé. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui ici, au cœur du salon.